aujourd'hui. Où on est aujourd'hui? Mais on est à Chamonix. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Jeannette. Enchantée aussi, Bernadette. Ah, parfait. Bienvenue à Chamonix. Merci. Alors aujourd'hui, c'est toi qui vas me conduire à la découverte de la ville. Oui, on va découvrir Chamonix, le bel endroit, les belles choses dans le centre et nos superbes montagnes. Eh bien, c'est parti. On y va. Alors, nous allons traverser vers la maison de la montagne, juste en face. Cette maison magnifique, l'ancien prieuré de Chamonix. Et aujourd'hui, avec un centre important pour nous, la compagnie des guides et l'office de haute montagne, la prévention, la sécurité. On va voir. Alors, nous sommes là avec le président de la compagnie des guides de Chamonix, monsieur Jean-Philippe Monnet. Oui, bonjour. Alors, bonjour, merci de nous avoir accueillis. Plaisir. La compagnie, quand est-ce qu'elle naît? Elle a été fondée en 1821. Voilà. Et bientôt 200 ans. Bientôt 200 ans. Donc, une histoire très longue. Très longue histoire de tradition, de coutumes, de toutes ces choses-là. Vous êtes guide? Oui. Combien de fois dans le Mont Blanc? Pour moi, oui. Moi, beaucoup de fois, hein. Peut-être 200 fois. Et disons, le but de la compagnie, c'est quoi? C'est de regrouper les guides de haute montagne au sein d'une structure, et de mettre en relation les clients et les guides de haute montagne. Quel est le majeur défi que vous avez maintenant? Parce que c'est vrai que le rapport avec la montagne a beaucoup changé, surtout dans les derniers temps. Donc, c'est quoi le défi? Le plus défi, c'est de suivre l'évolution de la société. Qui va en quel sens? De tout aseptiser, de moins en moins de risques, et également avec tous les changements climatiques, nous adapter à ces nouvelles conditions en montagne. Voilà, est-ce que les gens s'approchent de façon correcte à la montagne? Ou ils ont quand même avec besoin? Nous, oui. Avec nous, oui. Donc c'est très important de se confier à un guide. Tout à fait, nous sommes les spécialistes. Les anges de la montagne? Les anges, je ne sais pas. Les spécialistes, oui. Spécialistes, oui. Alors Bernadette, oui. Chamonix, ville de montagne, on va dire dans le temps, village de montagne, mais comment ça se fait que nous avons des palais si grands? Exactement, alors Chamonix, on a une vieille histoire, notre tourisme est déjà très ancien et tous ces bâtiments dans le centre que l'on voit à 5, 6, 7 étages, ce sont des anciens hôtels. Ah voilà. C'est notre mairie, il y a marqué hôtel de ville, mais c'est notre mairie actuelle et qui était un des grands hôtels jusqu'en 1910. Quand est-ce que ça s'est développé au début, le tourisme? Dans quelles années? Le début du tourisme, nous on donne une date, c'est le milieu du 18e siècle. 18e déjà? Milieu du 18e siècle, où deux jeunes Britanniques viennent, et l'histoire va se développer à partir de ce moment-là. Le début était plutôt ciblé sur les curieux. Les gens étaient curieux de savoir qu'est-ce que c'était cette montagne. Ici, on appelle la montagne maudite. Ah, maudite. Les mauvaises montagnes qui donnent peur, mais qui intriguent les personnes. On veut voir ces mauvaises montagnes, on veut voir les glacières. D'accord, donc c'est un charme, mais qu'on a envie d'étudier. On a envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Donc l'alpinisme débute après. Exactement. Le défi pour y monter. Les défis pour y monter, il faut dépasser la peur de ces montagnes d'abord, et après l'alpinisme va naître avec la première ascension du Mont Blanc. Qui date? 1786. Quand même assez tôt. Exactement. Très tôt dans l'histoire pour nous. Alors, ce qu'il y a de spécial à Chamonix, c'est qu'on peut prendre directement le téléphérique de la ville et partir vers les guilles. Donc, c'est splendide. Exactement. Tu vois, on a marché 5 minutes, on est déjà au pied du téléphérique de l'aiguille du Midi. La cabine, elle part derrière nous.
Et tu vois la pointe de l'aiguille du Midi derrière nous. C'est là-haut, sur cette petite pointe, que nous allons aller, Jeannette. Attention. Ok, on J'ai y pris va. La ceinture de sécurité. C'est bon, merci. La nouvelle mesure du Mont Blanc. Tous les deux ans, on mesure le Mont Blanc. Dis-moi, alors, il mesure le Mont Blanc parce qu'il y a des. Voilà, c'est pas. Il y a des changements. Il y a des changements. Il y a des changements. Donc, la nouvelle mesure aujourd'hui, c'est 4808. 8, pas 10. Non, 8, virgule, je crois que c'est 73 centimètres. Ok. Donc, la dame aujourd'hui qui va nous présenter son chocolat à 4810, il va devoir le changer. Alors peut-être, mais non, on attend que ça remonte. Ah, ok, d'accord. Regarde, il y a la première neige qui arrive. Ouais. Finalement, une grande émotion à l'aiguille du Midi. On va faire un pas dans le vide. Ça veut dire qu'on va mettre des souliers spéciaux parce qu'il ne faut pas que, voilà, avec des souliers qui puissent abîmer la vitre, on y va. Et avec ça, on va entrer dans le vide. Il y a une vitre, donc on aura la sensation d'être dans le vide. Bien sûr, je ne vais pas tomber. Et à partir d'ici, il y a une deuxième télécabine qui monte encore, qui se pousse encore de l'autre côté vers Pointe Herbronner. Exactement, on peut la voir le long de la vallée. Je pense avec la météo aujourd'hui, ce n'est pas garanti. Mais c'est une très belle traversée qu'on peut faire à partir de la France. On a le lien vers l'Italie. Et regarde, l'Italie, elle est là-bas, derrière les nuages. Coucou Val d'Aosta, on est là. Buongiorno Italia. Bonjour Val d'Aosta. On voit beaucoup de Japonais. Finalement, oui. C'est, disons, une des attractions que l'Europe a, parce qu'on est dans la montagne la plus haute d'Europe, donc les Japonais, les Chinois, quand même de tous côtés du monde, viennent ici pour monter jusqu'au sommet, faire le pas dans le vide, mais en tout cas aussi jouir de ce panorama qui est voilà. Quelque chose de... Alors moi, je mettrais dans l'ordre les Japonais, tous les Asiatiques, tout le monde. Chamonix, c'est international. Mais les Japonais viennent depuis plus de 30 ans à Chamonix. La première idée, c'est de monter à l'aiguille du Midi parce que c'est plus haut que le mont Fuji. Ah, d'accord. Quand on arrive en bas, c'est 3776 mètres. Avec l'ascenseur, on dépasse l'altitude du mont Fuji. C'est ça, pèlerinage pour aller plus haut. Et là aussi, tu sais, il y a quelque chose de très important. C'est ça qui est en face de nous. C'est ce mur vertical, les Grandes Jorasses. Les Grandes Jorasses. Les Grandes Jorasses, c'est 1000 mètres de parois de granit vertical que nos alpinistes essayent de gravir. Seulement les meilleurs, pas toi et pas moi. On n'y va pas. On n'y va pas. C'est non, avec pas un bon guide, oui, quand même. Même, il faut qu'il nous porte. Il nous porte enfin, sur moi le dos. Surtout, moi surtout. Le rapport entre l'alpinisme, on va dire celui du début, avec l'alpinisme de maintenant. Donc on va dire que les alpinistes qui ont eu le courage de grimper le Mont Blanc dans les années où le matériau était celui-ci, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce que maintenant, c'est pas que c'est facile, mais quand même avec tout ce qu'on a maintenant, c'est un peu plus facile. C'est exactement ce que je voulais dire. Le matériel d'antan était plus lourd, plus difficile, voilà, beaucoup plus fastidieux. Aujourd'hui, le matériel léger, les duvets, etc. Et là, c'est un retour dans l'histoire. C'est les années 50, avec un alpiniste extraordinaire, un beau garçon. Gaston Rébuffa. Jeannette, je te promets que tout à l'heure dans le village de Chamonix, on va le revoir. On va le revoir. Rappelle-toi de lui.
gracias. Oh, tout va super bien. Alors, Bernadette, finalement, oui, on fait cet arrêt. Donc, tu m'as dit qu'ici, il y avait une autre télécabine avant, une autre téléphérique qui montait. Oui, exactement. Parce qu'il y a eu une première idée de construire l'aiguille du Midi. On voit la vieille maison, la vieille bâtisse juste derrière, enfin devant nous. Mais ils n'ont jamais réussi d'aller jusqu'en haut. Et c'est là où il y a eu M. Loradito-Tino qui a dit « Mais moi, j'ai une idée, on va monter jusqu'à là-haut. » Et il a réussi. La chose qui est particulière, c'est que c'est un câble unique sans des pylons au milieu. Mais tu sais que toi, tu es un vrai ingénieur. Non. Les gens ne se rendent pas compte de ce que tu dis, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce que la portée de ici, 2300 mètres jusqu'à 3008, sans pylônes, c'est quelque chose d'unique. D'unique. Et c'était le challenge de son époque. Et il a réussi. Et il a réussi, c'est un Italien. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Alors, on a vu que vous avez des superbes saucisses. Oui. Mais là, vous avez des fromages, je ne peux pas résister. Je ne peux pas résister. Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors, les fromages typiques de Savoie, déjà, on en a Tom. Donc ça c'est fait dans la tome de dans la ferme de Montroc à Chamonix. Et après les vraiment les plus connus en Savoie on a l'abondance, donc là c'est de l'abondance fermier, les Beaufort, Beaufort d'alpage, Beaufort d'été, et on a aussi le reblochon et le chevrotin. Oh splendide. T'imagines avec les pommes de terre? Non, moi j'imagine avec un verre de rouge. Ah ouais. Et les pommes de terre aussi. Et les pommes de terre. Alors Bernadette, je vois derrière moi une maison qui finalement est habitée. Je vois des personnages qui sont là, ils nous attendent. Exactement, il y a un monsieur, déjà je te l'ai présenté là-haut à l'aiguille du Midi. Est-ce que tu le reconnais? Est-ce que tu le vois? Le monsieur pendu au balcon? Exactement, c'est notre le fameux Gaston alpiniste. Rebuffa, notre homme araignée avant qu'il existe. L'alpiniste élégant. Exactement, le beau garçon. Lui, il s'appelle comment? Alors lui, c'est Michel Gabriel Paccard. Il était médecin et c'était l'ami de monsieur Balmain qu'on a vu là-bas. Donc lui, c'est avec lui qu'il a, il a monté sur le la Moulin. Première fois, le 8 août 1786. Voilà. Allez, monte plus haut, Jeannette, c'est toi la plus grande. Wow, et lui, ensemble. Oui, ton nouvel ami. Bonjour. Bonjour, enchantée. Je te présente Cécile, notre attachée de presse à l'Office du Tourisme, Jeannette. Enchantée, bienvenue à Chamonix alors. Merci. Avec ce beau soleil. Donc nous allons aller déjeuner au Matafan, le restaurant de l'hôtel Mont Blanc. Tu nous as invité dans un super endroit. Oui, donc, c'est là, un ancien c'est... palace de Chamonix qui a été magnifiquement rénové. Voilà. Donc alors, maintenant un hôtel. Maintenant un hôtel 5 étoiles, voilà. Hervé Hocher, directeur du Mont Blanc Hôtel, 5 étoiles. Tout à fait. Alors, vous êtes pour Chamonix quand même un point de repère par rapport à celle qui est l'hôtellerie de niveau. De on niveau. Est, je pense, on peut dire le plus bel hôtel de Chamonix, un vrai hôtel historique en plein centre, en plus de Chamonix. Donc, c'est vrai que c'est un hôtel qui est magnifique avec une vue. Alors, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le meilleur exemple, mais une vue magnifique sur, sur la montagne, sur le sommet du Mont Blanc. Sur, voilà, c'est un hôtel mythique en plus. Nous avons pu goûter à votre qualité de cuisine sublime. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est que vous avez su mettre ensemble celle qui est l'histoire de l'hôtel avec la modernité. Voilà, on a essayé, l'hôtel a été entièrement rénové. Alors, l'hôtel, l'histoire de l'hôtel, c'est plus de 150 ans d'histoire, mais a été entièrement rénové récemment, il y a 4 ans.
tout en gardant vraiment les touches historiques. Vous avez pu voir l'escalier, vous avez pu voir certaines fresques, certaines choses qui datent vraiment d'époque. La façade n'a quasiment pas bougé, alors qu'on a voulu rendre des chambres évidemment modernes, tout le confort moderne, avec Internet, avec tout ce qu'il faut, ce qu'on demande aujourd'hui dans un hôtel de ce standing. De ce niveau. Voilà. Quel est le défi que vous avez tous les jours? C'est-à-dire, ce que j'ai ressenti, c'est que vous cherchez vraiment que votre hôte se sente à l'aise de tous côtés. Donc, c'est un peu, vous m'avez parlé d'une grande piscine, vraiment très grande piscine chauffée. Voilà, toute l'année. Toute l'année, voilà, il faut le dire, parce qu'à Chamonix, les températures... Même en hiver, sous la neige, c'est tellement agréable de se baigner alors qu'il neige. Les gens adorent ce petit... Non, on essaye d'apporter, c'est vrai, un vrai confort. Un hôtel 5 étoiles, c'est évidemment des chambres très confortables, tout le service qui va avec. Mais on essaye d'apporter un supplément d'âme, le côté chaleureux. On ne veut pas quelque chose de trop, trop coincé. Entre wow. Voilà, il faut quelque chose de chaleureux. On accueille les clients comme on accueillerait des amis à la maison. Voilà, c'est vraiment l'esprit que l'on veut donner à cet hôtel. Et c'est ce que nous avons ressenti, et merci parfait. Vraiment. C'est gentil, ça me fait plaisir. Des cristaux, finalement, tu m'as expliqué, Cécile, que tout, on va dire, l'ascension en montagne, moi je pensais que c'était le plaisir de monter, alors que non, il y avait une raison, si vous voulez dire, même économique au début. Oui, tout à fait. Alors, dans la vallée de Chamonix, avant que les gens fassent de l'alpinisme, avant la première ascension du Mont Blanc, il n'y avait que deux sortes de personnes qui osaient se risquer en montagne. Est-ce que tu as une idée? Tu m'as dit un peu les chercheurs de cristaux. C'est ça. Et les autres, c'était les chasseurs de chamois. Voilà. Voilà. Et les chercheurs de cristaux, donc, avaient besoin vendaient les cristaux, par exemple, à Milan ou bien à Genève. Pour l'argent, finalement. Voilà, pour l'argent. Et il se trouve donc que Jacques Balma, qu'on a vu déjà dans la statue. Tu as vu tout à l'heure avec Bernadette, donc le premier à avoir fait l'ascension du Mont Blanc, ouais. 8 août 1786 avec le docteur Paccard. Le voici, Jacques Balma, on le retrouve ici parce que c'était un cristallier. Donc pas étonnant que ce soit lui qui ait été le premier à pouvoir faire l'ascension du Mont Blanc. On peut dire vraiment que les cristalliers étaient les ancêtres des alpinistes. Des alpinistes. De crémalière à Chamonix, mm-hmm. On arrive à Montevert, après en réalité il y a autre chose à voir encore. Oui, il y a bien la mer sûr. De glace. Donc la mer de glace, le plus grand glacier français. Et donc pour accéder, on peut aller visiter une grotte aussi qui est creusée à l'intérieur du glacier. C'est la même famille qui a cette concession depuis 1946. On les appelle les Grottus. Ah, c'est un drôle de nom. Oui. Mais ce sont eux qui ont le droit de creuser cette grotte et elle est creusée deux fois par an. Voilà. Il y a une grotte d'été et une grotte d'hiver parce que le glacier bouge. Imagine que c'est un fleuve de glace. Et si tu plantes par exemple un bâton dans le glacier, et tu reviens quelques jours plus tard, bah, il aura bougé. Voilà. Donc actuellement, pour aller voir la grotte de glace, il faut prendre une petite télécabine et ensuite il y a des marches d'escalier à descendre. C'est sûr on accède à l'intérieur. C'est sûr que quelqu'un qui a vu, disons, le glacier il y a 30-40 ans, y revenir maintenant, ça doit faire quand même un certain effet, parce que ça a changé. Oui, alors le glacier actuellement, il est comme, sont les glaciologues qui le disent, il est comme il était au Moyen-Âge. Mais après le Moyen-Âge, c'est vrai qu'il y a eu une période glaciaire, et le glacier a repris, et actuellement, oui, il est... Il se retroitit. Il a beaucoup fondu, mais ça reste quand même un site assez magnifique. Au pied des Drues, au pied de la Verte, on voit les grandes Jorasses, enfin, il y a un point de vue assez somptueux. Et il y a un glaciologue, par exemple, qui est là tout l'été et qui répond aux questions des touristes, qui leur explique la vie du glacier. Et c'est très intéressant. Oui, alors je dois revenir en été. Oui. Très bien. Alors Cécile,
finalement, ils montaient, ils grimpaient les montagnes, finalement le Mont Blanc, habillé comme ça. Alors ça, c'est un costume spécial, c'est la réplique du costume d'Henriette d'Angeville, qui est la deuxième femme à avoir fait l'ascension du Mont Blanc en 1838. Et elle, contrairement à Marie Paradis, qui n'avait pas vraiment demandé à faire l'ascension, elle s'est fait faire un costume sur mesure. Voilà ce qu'il te faudrait. Donc à l'époque, elle avait, c'était avant-gardiste, un pantalon sous sa jupe, mais quand même une jupe. Une jupe quand même. Voilà. Donc là, on est au musée alpin de Chamonix, qui retrace l'histoire de Chamonix, des clins d'œil à l'histoire de l'alpinisme. Et là, on peut découvrir une photo qui représente... Cette photo-ci est originale, donc voilà. C'est pas une reconstruction, c'était vraiment comme ça. Voilà le costume original porté par Henriette, par Madeleine Vallot, pardon, qui portait la réplique du costume d'Henriette d'Angeville. Donc finalement, voilà. Le chapeau pour se protéger aussi du soleil, tout à fait, du froid et du soleil. Ouais, parce qu'il n'y avait pas de lunettes de soleil à l'époque. Ouais. Ben, courageuse, ces femmes. Courageuse, oui, toujours. Chance de rencontrer la fameuse Jacqueline. Merci. On sait, Jacqueline, que tu as une histoire un peu particulière parce que finalement la passion pour la pâtisserie t'a amené à, on va dire, à finalement à arriver à ton rêve, que c'est celui de donner à Chamonix un deuxième point de pâtisserie, qui est ce chalet, qui a une histoire toute particulière. C'est pas qu'une pâtisserie, c'est un lieu un peu mythique parce que on a aussi mélangé les minéraux et les gâteaux. Parce que si c'était vraiment un comptoir des minéraux. C'était un comptoir des minéraux et en plus mon mari est passionné de minéraux et donc on achète au cristallier donc de Chamonix des minéraux qu'on met à la vente à la boutique. Donc finalement Jacqueline ouvre cette deuxième pâtisserie. Oui. Mais tu as une idée particulière. Voilà, donc moi je voulais créer, j'ai toujours rêvé de créer un chocolat. Un chocolat qui ressemble un peu à l'environnement qui nous entoure. Et donc j'ai passé pas mal de temps à réfléchir. J'ai rencontré Monsieur Baume, qui est un sculpteur de Servos, la vallée de Chamonix, qui est à 10 km d'ici. Et nous avons créé ce moule. Ok. Et ce moule, ensuite, donc moi, il m'allait très bien parce qu'il ressemble au Mont Blanc, à l'aiguille du Midi et glacier des Bossons. Et donc, du coup, après, nous avons créé notre moule en thermoformé, ça s'appelle. Ouais. Voilà. Et après, donc, une fois que le moule est fait, nous créons nos chocolats. Donc, le chocolat, on met le chocolat dedans. Et donc, ce chocolat, nous l'avons garni ensuite de praliné. On est ici avec la patronne de maison, vous êtes Madame Maillet de l'hôtel Albert Ier, un hôtel qui, pour l'histoire de Chamonix, est très important. Ça fait 5 générations d'hôtellerie. Oui, moi je suis la 5e génération de la famille à travailler ici. Et donc ça fait 115 ans. Le bâtiment dans lequel on se trouve ici a été construit en 1903. Ça fait quelle responsabilité d'être finalement en 5e génération, voire évoluer soit le tourisme, soit l'hôtellerie, parce que ça suit un petit peu. Bien sûr, oui. Oui, on sent les responsabilités, mais moi je préfère plutôt penser à la chance, c'est-à-dire qu'on a un outil de travail qui s'est monté sur plusieurs générations, et nous on arrive et hop, on n'a plus qu'à travailler. Ouais. C'est bien. C'est une autre partie de l'Albert Ier, finalement, ce que votre papa et votre maman, ils ont décidé de faire à la suite du bâtiment originel. Oui. C'est une partie que vous appelez la ferme. Voilà, c'est ça, la ferme. Donc en fait, mon père a acheté une quinzaine de vieux bâtiments, de vieilles fermes dans les Alpes.
et il les a détruits, lavé le bois, classé le bois, et il a monté ce projet d'architecture avec notre architecte qui s'appelle Bernard Ferrari à l'époque, et qui vient de Chamonix, pas loin, et qui sont tous les deux passionnés du travail du bois et d'architecture de montagne. Jeannette, donc moi je vais vous laisser ici. C'était un plaisir de vous accueillir à Chamonix et je vous laisse encore découvrir plein de choses. Et j'espère que vous reviendrez bientôt, on n'est pas loin. On a vraiment envie de passer le Mont Blanc, pas en dessous, dessus, mais en dessous par le tunnel et venir à nouveau à Chamonix, voilà, voir tout ce que tu nous as montré. Hein? Merci plaisir. Encore. Merci. 3 ou 2? 2. Okay. Chamonix, c'est 2. Ciao, okay, Cécile. Ciao. Merci. Au revoir. Merci. Ciao. On a passé une superbe journée à Chamonix. Là maintenant, j'ai la chance de rencontrer Alex, le manager de Élévation 1904. Alors, un local de Chamonix. Oui, tout à fait. Et c'est toi qui t'en occupes. Depuis quelques années. Alors, tu as envie de nous saluer? Mais bien sûr. Je vais tous vous dire une bonne soirée. Et si vous passez par là, à Chamonix, bienvenue à l'Élévation 1904. Merci.